Bonjour mes chers amis. Il m'est arrivé de faire un constat. Depuis que j'ai commencé la diffusion de la série Pacte avec Mami Wata et avec tout ce que je raconte concernant le Mami Wata, je suis inondé de courriers. Et je constate que à cause du marasme économique, à cause de la pauvreté galopante en Afrique, beaucoup de jeunes ne veulent plus travailler. Tout le monde dit que c'est difficile. C'est difficile. Ils n'arrivent pas à manger, mais ils veulent être riches. Et les gens me contactent pour le Mami Wata comme si j'étais un communicateur de Mami Wata. Comme si je faisais le marketing de Mami Wata. Comme si j'avais un shopping. Ou bien je détenais un shopping où on peut venir faire le shopping de Mami Wata pour être riche. Non. Je ne suis pas un communicateur de Mami Wata. Je ne fais pas le marketing de Mami Wata. Et je n'ai pas un magasin ou un shopping où on peut venir faire les achats de Mami Wata comme si on s'achetait des jouets. Je suis un grand maître spirituel et je parle de l'entité Mami Wata, les ondines, les sirènes, pour que les gens, avant de s'engager, sachent de quoi s'en tenir. Aujourd'hui, je veux parler des conditions. Parce que les gens m'écrivent, veulent savoir comment se passent les conditions. Alors, je le fais pour que vous puissiez éviter de tomber dans des pièges. Il faut avoir la chance d'avoir un grand maître spirituel comme moi qui essaie d'éclaircir un certain nombre de choses. Parce qu'on ne peut pas tout trahir, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas livrer tous les secrets. C'est que ce n'est plus un secret. Alors, il est important de savoir que lorsque vous vous lancez dans le processus de faire un pacte avec une entité de richesse, il y a toujours quelque chose à donner en échange. C'est la règle du donner et du recevoir. Il n'y a jamais rien pour rien sur terre. Il y a toujours le prix à payer. Écoutez cette histoire. Une fois, j'avais été contacté par une certaine famille pour leur frère qui au Burkina Faso avait fait un pacte de richesse avec l'esprit de richesse pour avoir beaucoup d'argent. On lui avait demandé de l'argent pour éteindre des conditions dans le processus du rituel pour avoir de l'argent parce qu'il avait demandé beaucoup d'argent. À un certain niveau, il s'est fatigué, il a dit qu'il ne continue plus. On lui a dit, ok, tu auras cet argent, mais la seule condition, parce que tu ne veux pas éteindre toutes les conditions, est que tu vas avoir cet argent, mais tu ne vas jamais dépenser les week-ends. Tu n'utiliseras jamais cet argent les week-ends, tous les week-ends. Il a dit, ok, pas de problème. Si c'est pour ça, ce n'est pas contraignant. Il a eu sa mallette bourrée d'argent. Il est parti et il a commencé à faire la fête, à dépenser, à farauter les gens, à être un grand fêtard. Il était en boîte de nuit tout le temps. Jusqu'à un certain moment donné, l'esprit satanique s'est introduit dans le processus pour le faire rater les conditions. Parce qu'il avait fait ces choses-là sans se protéger contre toute éventualité. L'esprit satanique est entré là-dedans. Il l'a poussé à rater la condition. Il est allé en boîte de nuit un soir. Il a fait des dépenses, farotté les DJ, on scandait son nom, acheté des bouteilles de champagne et de whisky, jusqu'à ce que, à minuit 00, il était toujours en train d'offrir du whisky, en train d'offrir de la boisson, à farotter les DJ. À minuit, une minute, il avait déjà raté la condition. Et cela l'a piqué comme une crise. Il s'est levé, se mettre à donner des coups de poing parce qu'il discutait sur un sujet de facture dont il trouvait exorbitant. Et pourtant, c'est lui qui commandait les boissons. Il a commencé à donner des coups de poing. Donner des coups de poing au DJ. On a appelé les gros bras, les vigiles, les gros bras pour venir le mettre dehors. Il fallait voir la force herculéenne qu'il avait. Il ramassait deux vigiles, deux gros vigiles comme ça, les balançait dehors comme s'il balançait le papier. Il a fallu le concours de plusieurs personnes pour qu'on puisse l'arrêter, l'enchaîner. Il était dans une crise totale. Et ils sont allés de marabout en marabout. Il a fallu que par chance, il tombe sur moi. J'ai découvert ce qui n'allait pas parce qu'il avait raté une condition. Et on avait fait à ce que,
à minuit 00, il était en train de dépenser, après minuit, il était en train de dépenser cet argent. Et c'est là où il a raté la condition et il a eu les crises de folie. Heureusement, je suis entré dans le travail. J'ai coupé les liens avec cette entité-là. On a tout arrangé jusqu'à ce qu'il a retrouvé ses esprits. Bien sûr que son argent était resté, mais il n'avait plus... Je veux dire, ce qu'il avait dépensé, ses investissements étaient restés, mais l'argent était parti, l'argent était fini. Donc il avait perdu comme ça. Heureusement que le peu de choses qu'il avait, sur lesquelles il avait investi étaient restées. Donc faites beaucoup attention aux conditions. Ne vous jetez pas corps et âme dans ces choses-là. Il faut bien réfléchir. Je vous donne les règles à suivre. Vous contactez un marabout pour entrer en contact avec un esprit pour un besoin quelconque. La règle que je vous donne, il faut absolument savoir ce que vous voulez demander et soyez cohérent dans ce que vous êtes en train de demander. Ne tergiversez pas. L'esprit n'est pas là pour réfléchir à votre place. Il attend que c'est vous qui dites ce que vous voulez. Il attend que vous dites votre volonté. Il attend ce qui sort de votre bouche. Il n'est pas là pour parler à votre place. Si vous lui laissez le choix de parler, il va toujours vous dire des choses qui vont vous piéger. Et quand vous parlez, on exécute votre volonté. Et dans le rituel, suivez bien les conditions de l'esprit avant de prendre une décision. Il faut bien suivre avant de s'engager. Parce qu'il ne faut pas, parce que vous êtes omnibulé par l'argent, parce que vous voulez absolument de l'argent, vous allez accepter tout ce qu'on va dire, alors que vous n'avez pas bien suivi. C'est quand les choses se présentent que vous dites que, mais je ne me rappelle de rien, moi je n'avais rien dit, je n'avais rien accepté. Mais pourtant vous avez accepté tête baissée. Un autre point, ne dites jamais, je n'ai rien, je suis pauvre, mais je vais être riche. Jamais de la vie, il n'y a jamais rien pour rien. Si vous venez, vous dites que vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous n'arrivez pas à manger, mais vous voulez être riche. C'est votre vie que vous êtes en train de livrer, en train de vendre pour devenir riche. Parce que l'esprit ne fait jamais rien pour rien. Et vous venez en position de faiblesse. Quand vous le faites, là, c'est vous-même qui vous jetez dans le piège. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Il n'y a jamais rien pour rien. Et si vous avez la chance de tomber sur un très bon maître spirituel qui veut vous rendre service et vous faire éviter les conditions, rendez grâce à Dieu. Ne dites jamais je veux l'argent à tout prix, je veux beaucoup beaucoup d'argent, mais je refuse les conditions. Je refuse si on me demande un membre de ma famille, une partie de mon corps, ni le sang humain à livrer ou bien à verser. Je ne donne rien. Je veux seulement qu'il me rende riche. Qui va faire ça? C'est impossible. Il y a toujours un prix à payer. Et on ne livre pas forcément les vies humaines, car il y a des techniques pour contourner ces conditions-là. Si vous tombez sur un bon maître spirituel, il y a des techniques pour contourner ces conditions-là. Ce n'est pas que, en ce moment, vous voulez être riche et on va vous demander les vies humaines. Il faut simplement être intelligent pour éviter, contourner ces conditions. N'acceptez jamais les choses faciles. N'acceptez jamais les choses simples sans condition. C'est satanique, c'est un très gros risque que vous êtes en train de courir. Si vous arrivez chez un marabout, chez un maître spirituel, et qui dit, je vais vous rendre riche, je vais vous donner une porte magique qui va vous produire de l'argent, et qui le dit, et il le fait sans rien demander, mon frère, ma soeur, c'est un danger, fuyez sans regarder derrière. Parce que comment on va se mettre à vous faire avoir de l'argent, obtenir de l'argent que vous désirez tant, et on ne vous demande rien, et vous commencez à obtenir cet argent, et vous êtes en train de l'utiliser, ça vient d'où? Alors, c'est là qu'il faut comprendre qu'on vous a appâté, vous êtes tombé dans un piège sans réfléchir. Car il y a des gens qui disent que non, moi je ne suis pas là pour dépenser, d'abord je n'ai pas d'argent, je veux un porte-monnaie qui va me donner de l'argent, je veux Mami Wata qui va me rendre riche, qui va me faire avoir de l'argent tout le temps. Vous pouvez l'avoir, mais cet argent vient d'où? C'est là où il faut réfléchir, ça vient d'où? Alors que si on fait un bon travail, il y a des moyens de contourner cela et que vous ayez ce que vous voulez et que vous l'utilisez à bon escient. Sachez-le.
Et sachez que quand vous êtes là en train d'admirer les gens ici dehors, dans des grosses voitures, dans des voitures de luxe, dans des maisons de luxe, dans des très belles maisons qui font des voyages tous les jours, vous l'enviez. Mais quand il va vous regarder, il va dire que mon frère, ma soeur, là où je suis riche, mais super heureux. Je souffre. S'il a le courage de parler, s'il a le courage de parler, il y en a qui sont comme ça, que le Bengalais est déjà mort, donc le sexe est totalement mort. Et il appelle les filles qui viennent seulement le lécher, rien que pour le plaisir, mais le sexe ne fonctionne pas. Il y a une dame qui m'avait raconté une histoire. Elle passait quelque part, un monsieur était assis devant un hôtel qui l'a appelé. La femme est venue. Il dit, vraiment, je t'admire. Tu es d'une beauté incroyable. Mais je veux te demander un service, un petit service. Et je veux te donner tout ce que tu veux. La femme dit quoi? Il dit, allons dans ma chambre. Ils sont allés dans la chambre. Bon, comprenons que la fille était un peu une fille facile. L'homme a dit que je veux que tu me caresses. Mais mon tour ne se lève pas. Mais je te vois, tu es d'une très grande beauté, si bien que j'ai dit non. Même si je ne peux rien faire, quand même tu peux me caresser pour faire plaisir. La femme dit que elle ne croyait pas ce que le monsieur disait, tellement il était friqué, tellement il était beau, avec des chaînes, avec des belles chemises, des beaux parfums. Elle a caressé l'homme. Elle a pris son peignet, elle a sucé, sucé longuement, secoué, tout faire. Rien. Elle m'a dit, tu as vu, je ne te mentais pas, mon truc ne fonctionne pas. Mais ne crois pas que tu fais un travail pour rien. Il a sorti 100 000 francs, il l'a donné à la femme, pour rien. Il a dit à la femme que vraiment, ce n'est que comme ça que je me débrouille. Je ne peux pas, mon truc, je ne bande pas. Mais si tu peux venir de temps en temps me faire me caresser comme ça là, tu auras de l'argent. La femme dit qu'elle n'en croyait pas. Qu'elle a eu 100 000 francs comme ça, au prix de rien. Et qu'elle était prête à aller chaque fois. Bon, moi je ne connais plus la suite de l'histoire, mais quand j'ai écouté ça, j'ai compris que c'est un monsieur qui a de l'argent, mais il est malheureux parce qu'il ne peut pas monter sur la femme. Mais il est riche, il a de l'argent. Donc il appelle la femme chaque fois de venir le lécher. Ce n'est que sa satisfaction. Mais est-ce que c'est normal, avoir de l'argent, que tu ne peux pas monter sur une femme? C'est ce que les femmes appellent, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Tu fais alors quoi avec ton sexe? Tu as vendu ton sexe pour être riche. Et ça sert à quoi de l'argent? Parce qu'il y a la femme et l'argent. Tu as vendu ton sexe pour être riche. Et il y a la femme et l'argent. Tu as l'argent maintenant, tu ne peux pas avoir la femme. Il y a aussi un autre point. Vous voulez être riche sans dépenser. On vous demande l'argent pour tel rituel, pour atteindre telle et telle condition, afin que vous puissiez obtenir votre argent et que vous le mangez étant, cet argent étant sucré dans la bouche, au lieu d'être comme du sable et avoir des remords dans le cœur. Au lieu que cet argent soit comme le sable lorsque vous êtes en train de dépenser, c'est comme si vous mangez du sable et avoir des remords dans le cœur parce que vous avez accepté des conditions compliquées. Et cet argent n'est plus sucré dans votre bouche. Posez-vous la question, cet argent vient d'où? L'entité est partie dévaliser une banque pour venir me donner cet argent. Et vous êtes toujours des gens gourmands. Quand vous demandez de l'argent, vous demandez 100 millions, 5 millions, 2 milliards. L'esprit va l'obtenir comment? Ça va venir d'où? Et vous croyez qu'il va vous donner ça pour rien? Il faut réfléchir. Vous voulez beaucoup d'argent, l'esprit va vous donner ça pour rien. Ça vient d'où? Vous voulez savoir quel est le plafond qu'on peut demander à l'esprit? Alors moi je dis, tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous voulez 1 million de francs. Vous voulez 1 million de francs. Vous voulez 5 millions de francs. Vous voulez 500 millions de francs. Vous voulez 5 milliards. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. Mais plus vous demandez, plus les conditions sont lourdes à respecter. Plus vous demandez, plus les conditions vont être compliquées et il faut être à mesure de les respecter. Imaginez-vous une somme qui peut être contenue dans une boîte à chaussures, dans une caisse, dans une mallette,
ou dans 10 à 50 caisses bourrées de billets craquants. On dit de transporter. Une boîte à chaussures, c'est facile. Une caisse, c'est facile. Une mallette, c'est facile. Mais une très grosse caisse, 10 caisses, c'est lourd. Alors vous voulez être rapidement servi. Comment transporter cet argent? Et je profite toujours pour raconter des anecdotes, bien des histoires. Il y a un homme politique qui avait été arrêté par l'opération Épervier au Cameroun. Et chez lui, sa maison était bourrée d'argent. Je dis bien bourrée d'argent. Alors, il y a un monsieur qui nous raconte une histoire. Il dit, un jour, la dame de ce monsieur avait aligné les voitures et qu'on a porté des caisses dans la maison pour mettre dans des voitures. Il y avait au moins 6 à 8 voitures qui a pris la direction du village de ce monsieur. Ils ont roulé jusqu'à arriver au village, ils sont entrés dans la barrière, on a déchargé des caisses et on a mis dans la maison. C'est plus tard qu'il a compris que ces caisses-là, c'était des caisses d'argent. Et que s'il avait la moindre idée que ces caisses-là étaient de l'argent, c'est qu'il aurait disparu avec la voiture. Et avec au moins ces caisses-là, certaines caisses qu'on avait mis dans sa voiture. Donc c'est pour dire que plus vous demandez beaucoup d'argent, plus ça va être contenu dans des caisses et le transport va être difficile. Et pourtant, vous êtes pressé d'obtenir rapidement de l'argent. Si vous demandez beaucoup d'argent, il faut savoir que les conditions vont être lourdes à remplir, à respecter. À moins que vous fassiez des choses d'une façon éclair, d'une façon rapide. On demande telle condition, vous le faites rapidement. Le retour va être aussi là rapidement. L'esprit va venir avec votre argent en fonction du prix que vous payez et l'apporter rapidement. C'est ça la règle. Un autre point, ne pensez jamais tromper ou rouler un esprit. Il est plus intelligent que vous. Il est plus rusé que vous. Donc ne pensez jamais que vous allez faire quelque chose et que vous allez tromper l'esprit pour tromper sa vigilance et disparaître avec l'argent ou faire des choses sans qu'il ne le sache. Il voit cela avant vous. Donc ne pensez jamais distraire un esprit. Soyez tout simplement protégé contre certaines choses et vous allez utiliser votre argent décemment. Lorsque vous vous mettez à vous amuser avec l'esprit, votre vie est partie. C'est ce qu'il faut savoir. Lorsque vous demandez de l'argent à obtenir au quotidien, du genre apporte monnaie magique, bien l'esprit qui va vous faire avoir de l'argent tous les jours. Et quand l'esprit vous demande combien vous voulez avoir chaque jour en fonction de vos accords, en fonction de ce que vous avez proposé comme condition, avant d'ouvrir la bouche, il faut d'abord bien réfléchir. Si vous demandez par gourmandise 500 000 francs tous les jours ou 1 million de francs tous les jours, vous allez l'obtenir tous les jours. Mais la condition est qu'il faut dépenser cet argent avant 0 heure, que tout est fini dans ta poche. Et vous allez encore recevoir notre 100 000 francs après 0 heure. Et qu'il faut dépenser entièrement, si bien qu'à 0h00, que cet argent est fini. Les 5 premiers jours, ça va être facile. Parce que vous allez farotter les gens, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais les 6e jours, parfois même pour certaines personnes, c'est à partir du 4e jour que ça commence à peser. Parce qu'il faut dépenser 500 000 francs, juste à ce qu'aucun 5 francs ne reste dans la poche. Il faut dépenser 1 million de francs, de façon que rien ne doit rester dans la poche. Avant 0 heure. Les 6e, 7e jours, ça commence à peser parce que vous êtes fatigué d'offrir tous les jours. Vous êtes fatigué d'acheter des choses. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut qu'à 0 heure, que tout soit fini dans ta poche et être sûr de ne rien avoir oublié à la maison parce que vous ne devez pas garder cet argent. Vous n'allez pas prendre une partie pour aller dépenser et dire que vous allez garder l'autre à la maison. Non, ça se dépense. Si vous sortez, avec tout cet argent en poche et vous dépensez jusqu'au dernier sou. On ne garde pas cet argent. Même aller faire un dépôt à la banque, on ne le fait pas. Ça se dépense. Lorsque vous faites ces pactes de la serviture de richesse, les bonnes conditions, surtout pour l'argent au quotidien, c'est lorsqu'on vous permet d'acheter des choses qui vont rester.
on vous permet d'investir, d'ouvrir des boutiques, d'ouvrir des lieux de commerce, acheter des choses pour revendre. Oui, là c'est de bonnes conditions. Et que vous allez investir, vous allez construire des maisons, acheter des terrains, vous pouvez verser l'argent du terrain chaque jour, un peu, construire, acheter les ciments chaque jour et construire. Et que à votre mort, le jour que vous n'êtes pas là, vos enfants, votre famille puissent profiter des biens que vous avez laissés. Le mauvais part, c'est lorsque, à votre mort, tout disparaît, tout brûle, tout part à la dérive. C'est que c'est un pacte satanique qui est là pour vous servir rien que lorsque vous êtes vivant. Et ce n'est pas bon. N'acceptez jamais ce pacte-là. Ayez la chance de tomber sur un bon maître spirituel, professionnel. Comment vous allez vous sacrifier votre énergie, votre vie pour avoir quelque chose que à votre mort, personne ne peut en profiter. Vous allez profiter seul et à votre mort, c'est parti. Ce n'est pas normal. C'est du gaspillage. Un autre point. Si un génie vous dit, je veux que tu me sacrifies 5 gros bœufs, 15 gros bœufs, 10 béliers, ou bien quelle que soit la quantité d'animaux, bien de béliers ou bien de bœufs qu'il vous demande, tous les mois, ou tous les 6 mois, ou bien par an, dites-lui au moment d'émettre vos vœux. Dites-lui que je veux que vous me faites ne jamais manquer des bœufs ou des béliers à vous offrir par tous les moyens, même s'il y a pénurie. Là, vous le faites travailler pour vous. Parce qu'il vous a demandé des sacrifices. Et il faut maintenant qu'il vous permette, qu'il fasse à ce que vous ne puissiez jamais rater à faire son rituel parce que vous avez manqué de l'argent. Quel que soit lambda, il est obligé de travailler pour vous en ce moment-là. Je dis, au cas où c'est des conditions où il faut offrir des bêtes, parce que ce n'est pas partout, bien tout le monde qu'on demande des bêtes. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut jamais être chiche. Il ne faut jamais être radin avec votre maître spirituel. Votre maître qui vous fait réussir le pacte. Il faut toujours lui faire un bon don lorsque vous recevez votre pactole. Lorsque vous recevez votre argent, il faut lui faire un bon don. Et il vous aidera toujours partout où vous aurez besoin de lui. Il vous aidera toujours à sortir dans des situations compliquées. Il faut avoir le sens du partage. Parce que quand vous le faites, vous avez un très bon allié en ce moment. Il vous aidera toujours à sortir l'épine du pied. Si vous montrez radin, vous montrez chiche, dur, alors il vous laisse. Le jour que ce sera compliqué, comment vous aurez le courage à venir le voir pour dire que ça ne va pas? Il va vous chasser. Même moi, je vous chasse. Bon, nous avons terminé. Je pense que les quelques explications que j'ai données sur les conditions à contourner dans le processus du pacte avec l'esprit de richesse, ça puisse vous aider. Continuez à me soutenir. Si vous avez des histoires, envoyez-les moi en audio sur mon numéro WhatsApp ou Telegram. Envoyez-le mon numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou dans les commentaires.